De korpsadjudant, adjudant-majoor Dominique Moerman, heeft het detachement van de Koninklijke Militaire School opgesteld. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van kapitein-commandant-kapelmeester Yves Segers. Vous avez devant vous les détachements de l'école militaire mis en place par l'adjudant de corps, l'adjudant-major Dominique Moerman. L'accompagnement musical est quant à lui assuré par la musique royale des guides sous la direction du capitaine-commandant-chef de musique Yves Segers. L'adjudant de corps remet à présent le commandement au colonel breveté d'état-major Thierry Pirenne, directeur de la formation de base des officiers. De korpsadjudant geeft het bevel over aan kolonel stafbrevethouder Thierry Pirenne, directeur van de basisvorming officieren. Dit academiejaar verwelkomt de Koninklijke Militaire School 139 officieren stagiairs die in het Defensiecollege verschillende vormingen van lange duur komen volgen. Door de coronamaatregelen kunnen die officieren niet aanwezig zijn op deze plechtigheid. Ze worden echter vertegenwoordigd door de commandant van het Defensiecollege, kolonel stafbrevethouder Mark Verberen. Durant cette année académique, l'École royale militaire accueille 139 officiers stagiaires qui suivent diverses formations de longue durée au Collège de défense. En raison des mesures de prévention du Covid-19,
Ces officiers ne pourront pas être présents à cette cérémonie. Ils seront toutefois représentés par le commandant du Collège de Défense, le colonel breveté d'état-major Marc Verbeeren. We begroeten nu een delegatie van het professorenkorps van de Koninklijke Militaire School. Het professorenkorps wordt vertegenwoordigd door kolonel stadsbrevethouder Rudy Vlasselaar, directeur van het academisch onderwijs, professor Michael van Schoor, voorzitter van de faculteitsraad Polytechniek, professor Chris Perneel, voorzitter van de faculteitsraad Sociale en Militaire Wetenschappen en de decaan. Professeur Jan Leijzen. Nous saluons à présent une délégation du corps professoral de l'École royale militaire. Le corps professoral est représenté par le colonel breveté d'état-major Rudy Vlasselaar, directeur de l'enseignement académique, le professeur Michael van Schoor, président du conseil de faculté polytechnique, le professeur Chris Perneel, président du conseil de faculté sciences sociales et militaires, et le doyen. Le professeur Jan Leijzen. We ontvangen nu generaal-majoor van het vliegwezen Lutgardis Klaas, commandant van de Koninklijke Militaire School. Nous accueillons à présent la generaal-majoor d'aviation Lutgardis Klaas, commandant de l'École Royale Militaire. Le commandant de l'École royale militaire accueille maintenant le lieutenant-général d'aviation Jan Hennes, aide de camp du roi, directeur général des ressources humaines. De commandant van de Koninklijke Militaire School ontvangt lieutenant-général van het vliegwezen Jan Hennes,
vleugeladjudant van de koning, directeur-generaal Human Resources. L'emblème de l'École royale militaire va être mis en place. Il est porté par le sous-lieutenant élève Arvid de Dapper. Nous vous invitons à rendre les honneurs pendant l'exécution de l'hymne national. Het embleem van de Koninklijke Militaire School wordt nu in plaats gesteld. Het embleem wordt gedragen door onderluitenant-leerling Arvid de Dapper. Mogen we u vragen de eer te bewijzen tijdens de uitvoering van het nationale volkslied.
Le commandant de l'école royale militaire accueille maintenant l'amiral Michel Hoffmann, aide de camp du roi, chef de la défense. De commandant van de Koninklijke Militaire School ontvangt admiraal Michel Hoffmann, vleugeladjudant van de koning, chef defensie. Le commandant de l'école royale militaire accueille maintenant Madame Ludivine de Donder, ministre de la Défense. De commandant van de Koninklijke Militaire School ontvangt mevrouw Ludivine de Donder, minister van Landsverdediging.
Le commandant de l'école royale militaire procède maintenant à l'accueil de leurs altesses royales, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore. De commandant van de Koninklijke Militaire School gaat nu over tot de ontvangst van hun koninklijke hoogheden, prins Gabriel, prins Emmanuel en prinses Éléonore. Le commandant de l'école royale militaire procède maintenant à l'accueil de leur majesté, le roi Albert II et la reine Paola. De commandant van de Koninklijke Militaire School gaat nu over tot de ontvangst van hun majesteiten koning Albert II en koningin Paola.
Le commandant de l'École royale militaire procède maintenant à l'accueil de Leur Majesté le roi Philippe et la reine Mathilde. De commandant van de Koninklijke Militaire School gaat nu over tot de ontvangst van hun majesteiten koning Philip en koningin Mathilde.
Les nouvelles promotions vont à présent être intégrées au dispositif. Elles sont commandées par la major d'aviation brevetée d'état-major, Isabelle van Havermaat. Les nouveaux élèves viennent de terminer une période d'initiation militaire de 4 semaines pendant laquelle ils ont prouvé qu'ils disposent des qualités nécessaires pour entamer la formation d'officiers à l'École royale militaire. De nieuwe promoties worden nu geïntegreerd in het dispositief. Ze staan onder het bevel van majoor van het vliegwezen stafbrevethouder Isabelle van Havermaat. De nieuwe leerlingen hebben zo pas een periode beëindigd van 4 weken militaire initiatie, gedurende welke ze bewezen hebben over de nodige kwaliteiten te beschikken om de vorming van officier aan de Koninklijke Militaire School aan te vatten. Rassemblement.
Voor iedereen! Zet op! Ja! Applaus! Oh! We vragen nu uw aandacht voor de toespraak van Zijne Majesteit de Koning. Nous demandons à présent votre attention pour l'allocution de Sa Majesté le Roi. Sire, Majesté, Madame la Ministre, Généraux et Amiraux, Mesdames et Messieurs, Dames en Heren, vanavond vieren we met de nodige luister de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School. Deze prestigieuze instelling vormt jaar na jaar jongeren op officier te worden, het toekomstige kader van ons leger. Plichtgetrouwe mannen en vrouwen die zichzelf kunnen overstijgen, niet terugdeinzen voor een inspanning en die te allen tijden bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen. Hun beroep vergt dat ze zich helemaal geven, want ze zijn geroepen om hun land te dienen, zijn waarden en zijn aanzien, soms ver van huis en vaak in moeilijke omstandigheden. Dat vieren we vandaag. Et vous, chers élèves, soyez fiers du choix et de l'engagement que vous avez pris. Vous avez déjà accompli une partie de votre parcours avec courage et détermination. Vous avez appris à vous connaître vous-même, dans vos forces et vos limites. Vous l'avez appris en travaillant ensemble, en partageant et en développant un esprit d'équipe. Vous apprenez ainsi à prendre rapidement de bonnes décisions et à diriger des hommes et des femmes. Vous leur montrez l'exemple de façon à ce qu'ils veuillent faire, ce qu'ils doivent faire. Et qu'ils le fassent bien. Vous les mettez en valeur pour leur travail accompli. C'est comme cela que vous gagnerez leur respect et leur confiance. Vous réussirez parce que vous aurez vécu dans votre corps et dans votre cœur les valeurs de l'École royale militaire,
le sens de l'honneur, l'autodiscipline, l'engagement, le courage, le respect. Ces valeurs intemporelles, vivez-les pleinement, tout en sachant que, dans la vie comme sur le champ de bataille, l'important ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever et d'accepter une main tendue. Beste leerlingen, officieren en officieren, leerlingen. Doorheen jullie academische en militaire opleiding en persoonlijke vorming geeft de Koninklijke Militaire School jullie een unieke bagage mee om de vele uitdagingen aan te gaan die jullie nog zullen tegenkomen. Jullie zullen geconfronteerd worden met vragen waar we vandaag het antwoord nog niet op kennen. De bedreigingen waar we voor staan zijn hoe langer hoe complexer en talrijker. Voor het handhaven van de vrede en de bescherming van onze samenleving hebben we niet alleen militaire en spitstechnologische kennis nodig, maar ook een allesomvattend begrip van de wereld en zijn broze evenwichten. Generaal, professoren en u allen die instaan voor de goede werking van deze academie, dankzij uw toewijding en dagdagelijkse werk en dat van uw voorgangers is deze school in 1834 opgericht door Leopold I erin geslaagd zich perfect aan te passen aan een voortdurend veranderende wereld en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar mooie tradities. Dank om de leerlingen van deze school zo uitstekend voor te bereiden op het veeleisende en boeiende beroep van officier. Mesdames et messieurs, les amiraux et généraux, l'École royale militaire est garante de la qualité incontestée de notre cadre officier et partant de toute l'armée. Je sais combien le pays peut compter sur son armée. Elle est toujours prête à intervenir dans une multitude de missions difficiles, des opérations militaires à l'étranger, aussi bien que plus récemment le soutien à la gestion de la crise du Covid chez nous. Je tiens à vous en remercier et à travers vous, tous nos militaires. Chers élèves officiers et officiers élèves, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès dans vos études. Elles vous ouvriront les portes à un avenir enrichissant. Ik wens jullie veel succes in jullie studie. Er wacht jullie een leerrijke en verrijkende toekomst.
We vragen nu uw aandacht voor de toespraak van de commandant van de Koninklijke Militaire School. Nous demandons à présent votre attention pour l'allocution du commandant de l'École Royale Militaire. Sire, majesteit, mevrouw, koninklijke oogheden, madame la ministre de la Défense, dames en heren in uw titels, graden en hoedanigheden. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres, graden et qualités. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous qui, ici, dans le cadre prestigieux du cinquantenaire, où chez vous, derrière votre écran, allez vivre ce moment particulier. Fidèles à notre tradition, nous célébrons solennellement l'ouverture de l'année académique en ce 8 octobre 2020. Les limitations liées au coronavirus nous ont obligés cette année à limiter le nombre d'invités et à adapter le scénario de la cérémonie. Mais soyez rassurés, les phases clés de l'entrée solennelle des nouvelles promotions qui constituent le cœur de cet événement sont maintenues. Sire, 2 jaar geleden hebt u ons vereerd met uw aanwezigheid op de opening van het academiejaar. Het was toen precies 40 jaar geleden dat uw officiersopleiding in de Koninklijke Militaire School begon. De toespraak die u toen gehouden hebt, is ons tot vandaag bijgebleven. En vandaag bent u hier, samen met uw familie, om getuige te zijn van de plechtige intrede van de nieuwe promoties, waar haar Koninklijke Hoogheid, prinses Elisabeth, hertogin van Brabant, deel van uitmaakt. We zijn er bijzonder trots op dat u de vorming van uw dochter toevertrouwt aan de KMS. En samen met alle andere fiere ouders zal u merken dat onze jongeren na de militaire initiatiefase klaar zijn om vol moed en overtuiging te starten met het academische onderdeel van hun officiersopleiding.
Voici un mois. Les plus anciens de nos élèves ont repris les cours à l'ERM dans des locaux adaptés à la lutte contre le virus. Et nos plus jeunes élèves, quant à eux, ont commencé le volet militaire de leur formation à Elsenborn, en devant respecter, eux aussi, des mesures sanitaires strictes. Mais ces contraintes ont porté leurs fruits. Elles ont permis à ces jeunes que vous voyez devant vous de débuter leur carrière militaire sous une bonne étoile, grâce à leur comportement discipliné face au virus. Pour eux, c'est maintenant que commence le parcours académique. Et ce parcours ne vient pas succéder à l'instruction militaire, mais bien la compléter. À présent, permettez-moi, Sire, Majesté, Madame, Altesse Royale, de m'adresser à mon personnel en commençant par les nouveaux élèves de première année. Élèves de première année, vous n'avez pas choisi le chemin le plus facile. Les exigences sévères de votre formation apporteront leur lot de contraintes, de fatigue, de sueur et parfois de larmes, mais aussi de camaraderie, de satisfaction et surtout de fierté. Croyez-moi, si votre temps libre sera restreint, c'est parce que vous serez bien occupé. Étudier à l'école royale militaire n'est pas un verbe passif, mais actif. Vous êtes chacun et chacune l'acteur principal de votre carrière et c'est à partir de maintenant que vous la prenez en main. Faites confiance au cadre académique et militaire, aux anciens, mais ayez également confiance en vous-même. Chers anciens élèves, malgré la COVID-19, et le confinement, vos résultats de l'année passée sont semblables à ceux des années précédentes. Cela prouve que moyennant une attitude studieuse régulière, vous êtes capable de réussir vos examens, même en ces temps chaotiques marqués par des contraintes inattendues. C'est d'ailleurs le cœur de notre métier de militaire. Exécuter la mission, quelles que soient les circonstances. Poursuivez vos efforts et désormais, je compte sur vous pour remplir votre rôle de parrain ou de marraine et pour aider vos jeunes collègues à atteindre notre objectif commun. Beste professoren en leden van het onderwijzend korps, beste leden van het kader. Tijdens de coronacrisis hebt u allen bewonderenswaardige inspanningen geleverd om onze studenten binnen 1 week na het begin van de lockdown afstandsonderwijs aan te bieden. Uw inspanning heeft geloond en ik reken op u om uw lesmethodes verder te moderniseren, zodat we ook dit bijzondere academiejaar in goede gezondheid tot een mooi einde kunnen brengen, wat er ons ook mogen gebeuren. En tenslotte nog een woordje voor de ouders van onze studenten. U hebt uw zoon of dochter aan ons toevertrouwd. Bedankt daarvoor. Wij zullen nu verder bouwen op de fundamenten die u gelegd hebt en uw zoon of dochter begeleiden en opleiden tot een leider van morgen. Dat is onze verantwoordelijkheid en die zullen we opnemen. Onze unieke instelling heeft daarvoor de ervaring en de middelen. Pour terminer, un mot aux parents de nos étudiants. Vous nous avez confié votre fille ou votre fils. Je vous remercie pour votre confiance. Nous bâtirons plus avant sur la fondamentaux
que vous leur avez donnée. Nous les guiderons et les formerons à être les leaders de demain. Il s'agit là de notre responsabilité et nous la prendrons. Notre institution, unique en son genre, dispose de l'expérience et des moyens nécessaires. Sire, Majesteit, Mevrouw, Altesse Royale, Mesdames et Messieurs, je déclare l'année académique 2020-2021 ouverte. Ik verklaar hierbij het academiejaar 2020-2021 voor geopend. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een aangename plechtigheid toe. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable cérémonie. We luisteren nu naar de verbintenissen van de promotiechefs en van de woordvoerders van de leerlingen van de nieuwe promoties. Nous écoutons les engagements des chefs de promotion ainsi que des porte-paroles des élèves des nouvelles promotions. Mijn collega's en ik beloven aan de leerlingen van de nieuwe promotie dat ze steeds beroep kunnen doen op onze toewijding en oprechte bijstand, zodat zij hun vorming tot officier tot een goed eind zouden kunnen brengen. Mes collègues et moi-même promettons aux élèves de la nouvelle promotion qu'ils pourront toujours faire appel à notre dévouement et à notre assistance royale pour mener à bien leur formation d'officier. Mes collègues et moi-même sommes conscients de la discipline et des efforts que l'École royale militaire exige de notre part. En tant que candidat officier, nous sommes prêts à relever le défi. Mes collègues et moi zijn ons bewust van de tucht en de inspanningen die de Koninklijke Militaire School van ons zal vergen. Als kandidaat-officieren zijn we bereid deze uitdaging aan te gaan.
De 175ste promotie Polytechniek zal de naam promotie-kolonel Jozef Warnouts dragen. La 175e promotion Polytechnique portera le nom de promotion-colonel Joseph Warnouts. Le colonel Joseph Warnouts entre à l'IRM en 1939 en tant qu'élève de la 99e promotion artillerie-génie. Un an plus tard, peu après le déclenchement de la guerre, il est envoyé en France, comme tous les élèves de sa promotion. Après s'être évadé de sa captivité en 1940, il est recruté par le réseau de renseignement Benoît, au sein duquel il transmet de précieuses informations aux services alliés. Cela lui vaut d'être condamné à mort, mais il parvient à échapper aux recherches des Allemands. Il est gravement blessé en octobre 1944, mais se rétablit et poursuit aussitôt la lutte. Après la guerre, en 1947, il reprend ses études et obtient son diplôme d'ingénieur. Il fonde alors une famille et deviendra le père de 5 enfants, dont 4 fils qui choisissent la carrière d'officier. Après une brillante carrière et une retraite bien méritée en 1976, le colonel Joseph Warnouts est décédé le 4 janvier 2002. Le fanion est remis à la promotion par M. Jean-Paul Warnouts, fils du colonel Joseph Warnouts. De 160ste promotie sociale en militaire wetenschappen zal de naam promotie-colonel Joseph Leenaerts dragen. La 160e promotion sciences sociales et militaires portera le nom de promotion-colonel Joseph Leenaerts. Le colonel Joseph Leenaerts entre à l'école royale militaire en 1939 dans les rangs de la 84e promotion infanterie-cavalerie. Originaire des cantons de l'Est, il maîtrise la langue allemande, ce qui lui sera bien utile par la suite. À la veille de la guerre, il observe des mouvements suspects à notre frontière orientale. Il s'agit de la préparation de l'invasion allemande. Et Joseph Leenaerts fournit déjà des informations précieuses aux autorités belges. Après la capitulation du 28 mai 1940, il est fait prisonnier de guerre. Libéré en décembre, il retourne dans son village natal, qui a été, entre-temps, annexé au Reich. Dès le printemps 1941, il met en place un réseau de renseignements. Il est arrêté à 2 reprises, mais parvient chaque fois à s'échapper. Après la guerre, il continue à jouer un rôle important, quoique discret, au sein des services de renseignement. Il accomplit notamment de nombreuses tâches délicates dans le contexte de la guerre froide. Le colonel Leenaerts a quitté le service actif en 1980, honoré de plusieurs distinctions belges et étrangères. Il est décédé le 7 janvier 2017. Le fanion est remis à la promotion par Madame Anne Leenaerts, fille du colonel Joseph Leenaerts. L'amiral Michel Hoffmann, aide de camp du roi, chef de la défense, remet le fanion à la 114e promotion de l'école supérieure de navigation. Admiral Michel Hoffmann, vleugeladjudant van de koning, chef defensie, overhandigt de wimpel aan de 114e promotie van de hogere zeevaartschool. Le lieutenant-général d'aviation Jan Hennes, directeur-général des ressources humaines, remet le fanion à la promotion des pilotes et contrôleurs aériens du cadre auxiliaire 2020. Lieutenant-général van het vliegwezen Jan Hennes, directeur-général Human Resources, overhandigt de wimpel aan de promotie piloten en luchtverkeersleiders van het hulpkader 2020. La generaal-major Lutgardis Klaas, commandant de l'école royale militaire, remet le fanion à la 102e promotion du corps technique médical. Generaal-major Lutgardis Klaas, commandant van de Koninklijke Militaire School, overhandigt de wimpel aan de 102e promotie van het medisch technisch korps.
Le lieutenant-colonel Raphaël Kouwenberg, directeur de la direction de l'appui, remet le fanion à la 62e promotion ingénieurs industriels. Lieutenant-colonel Raphaël Kouwenberg, directeur van de directie Steun, overhandigt de wimpel aan de 62e promotie industrieel ingenieurs. Het embleem van de Koninklijke Militaire School zal nu aan de nieuwe promoties voorgesteld worden. L'embleme de l'École Royale Militaire va maintenant être présenté aux nouvelles promotions. Leerling-officieren van de 175e promotie Polytechniek, de 160e promotie Sociale en Militaire Wetenschappen, de 62e promotie Industrieel Ingenieurs, de 102e promotie van het Medisch Technisch Korps, de 114e promotie van de Hogere Zeevaartschool, en de promotie piloten en luchtverkeersleiders van het hulpkader 2020. Het embleem dat jullie nu voorgesteld zal worden, werd op 4 juli 1927 door Zijne Majesteit Koning Albert I toegewezen aan de Koninklijke Militaire School. Het eenheidsembleem is voor de militair het symbool van de waarden van de natie en van de krijgsmacht en van zijn betrokkenheid ten dienste van de natie. Leerling-officier, kijk naar dit embleem en bewaar in je geest voor altijd het beeld van het symbool van jouw engagement. Élèves-officiers de la 175e promotion polytechnique, de la 160e promotion sciences sociales et militaires, de la 62e promotion ingénieurs industriels,
de la 102e promotion du corps technique médical, de la 114e promotion de l'école supérieure de navigation et de la promotion pilote et contrôleurs aériens du cadre auxiliaire 2020, l'emblème qui va vous être présenté fut attribué le 4 juillet 1927 par Sa Majesté le roi Albert Ier à l'École royale militaire. L'emblème de son unité est pour le militaire le symbole des valeurs de la nation et des forces armées et de son engagement au service de la nation. Élève officier, regarde cet emblème et garde toujours à l'esprit l'image du symbole de ton engagement.
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen zal nu het nationale volkslied uitvoeren. Mogen we u vragen recht te staan en de eer te bewijzen? La musique royale des guides va maintenant exécuter l'hymne national. Nous vous invitons à vous lever et à rendre les honneurs. Dans quelques instants, Sa Majesté le Roi va remettre la 72e épée du roi à l'élève le plus méritant. Zijn Majesteit de Koning zal over enkele ogenblikken de 72e degen des Konings uitreiken aan de meest verdienstelijke leerling. Onder luitenant
Sa Majesté le Roi va remettre l'épée du roi au sous-lieutenant d'aviation élève Thibaut Expils de la 150e promotion sciences sociales et militaires. Cet officier s'est particulièrement distingué durant les trois premières années d'études par sa personnalité et son engagement dans chaque aspect de la formation de l'école royale militaire. Zijne Majesteit de Koning zal de degen des konings overhandigen aan onderluitenant van het vliegwezen leerling Thibaut Expils van de 157e promotie sociale en militaire wetenschappen. Deze officier blonk gedurende de eerste drie studiejaren uit door zijn persoonlijkheid en door zijn inzet voor alle aspecten van de vorming aan de Koninklijke Militaire School. De promoties zullen nu in plaats gesteld worden voor het défilé. Les promotions vont maintenant être mises en place pour le défilé.
Pendant que les promotions se préparent pour le défilé, la musique royale des guides vous présente un intermède musical. Elle interprète pour vous la marche du 1er régiment de chasseurs à cheval, suivie de la marche de la force aérienne. Terwijl de promotie zich klaarmaken voor het défilé, zal de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen een muzikaal intermezzo brengen. Ze speelt de mars van het 1e regiment Jagers te paard, gevolgd door de mars van de luchtmacht. Thank you.
Thank you.
Les officiers élèves de 4e et de 5e année ouvriront le défilé. Ils seront suivis par les nouvelles promotions qui ont l'honneur d'escorter pour la première fois l'emblème de l'École royale militaire. Les nouvelles promotions seront suivies, à leur tour, par les élèves officiers de 2e et de 3e année. De officieren leerlingen van het 4e en 5e jaar zullen het défilé openen. Ze worden gevolgd door de nieuwe promoties die de eer hebben voor de eerste keer het embleem van de Koninklijke Militaire School te escorteren. De nieuwe promoties worden op hun beurt gevolgd door de leerlingofficieren van het 2e en 3e jaar.
Dames en heren, we vragen u om recht te staan voor het vertrek van hunne majesteiten de koning en de koningin en de leden van de koninklijke familie. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de vous lever pour le départ de leur majesté le roi et la reine et des membres de la famille royale.